Si j'avais continué mon cursus de prêtre, je serais même cardinal. Je serais cardinal à l'heure où je vous parle. Malheureusement, ce n'était pas ma vocation. Dieu a fait que j'aille plutôt en politique que de continuer mon cursus de prêtre. Sinon, je serais cardinal, je vous l'ai dit. Et quand je parle en un moment, c'est comme un prophète qui parle. Et je me suis déjà dit, je suis un prophète politique. Et ma grand-mère me fait voir certaines choses que d'autres ne voient pas. J'ai un troisième œil. Et ici, je m'adresse à la République pour dire, faisons attention. La mort de l'Église catholique de Kinshasa est proche. Elle est proche. Les gens ne se rendent pas compte, mais en effet, vous comprenez effectivement que non, les gens ont perdu la tête. L'Église catholique existe depuis quand? Au Congo, c'est depuis quand? C'est aujourd'hui qu'elle va nous montrer que maintenant Dieu nous a ajouté d'autres yeux. Nous commençons à voir que nous étions trompés à l'époque.